As it is said in Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture and restores my soul. Dear faithful viewers, God bless you all as we welcome you with this portion of the scripture. We always appreciate God for this opportunity he gives to us whenever we have to come around his word. We thank God for this other grace he has given to us to come across his word in order to encourage ourselves. You are once more welcome to the English broadcast entitled Vision for Lost Soul. Vision for Lost Soul is an English broadcast that permits the word of God to be preached all around the world, that many people will be able to listen and to know that Christ is coming very soon. It's a means to prepare the heart of those who are expecting God and to also tell those who have not yet seen the need to do that. And we thank God because he is a good father, and all that he does is to ensure that his children are comfortable. So, and today we are going to continue with our famous theme that we have been listening all these days entitled Be Certain of God. And it has really been a message that has blessed us up to now. As it was said in Psalms 23, the Lord is really my shepherd. And the thing is that we have to learn that God, everything he does it with a purpose. And God creating you, he knew very well that he created you for a purpose. But the reason is that many people don't try to go after God's purpose. They want to go after their mind, they want to do whatever they think, they want to copy the things of this world, and at the same time they want God's purpose to be achieved in their life. It can't work that way. That is why God, in everything he does, he wants his children to have confidence in him and to know that he can never fail them. And that's why we're going to listen to this wonderful extract of the message of the prophet entitled Be Certain of God. Why are people not certain today? Because they don't anchor their faith and they don't believe that God is the ultimate solution to their problems. So when we go to that state, it means that apart from God, you can have solutions elsewhere. But let me tell you, those solutions will fail away. You may count on your money, you may count on your beauty, you may count on anything of this world. But let me tell you, those things will simply die down in this world. And tomorrow you need God when you're really going to meet the difficulty or the challenge. So therefore, viewers, we really want to continue with this tape and that to be certain of God. And I know you may be going through difficulty, you may be going through frustrations, but let me tell you, let me assure you that if only you're able to believe in the Lord Jesus Christ, he's going to be your shepherd and you will not be in torment. He said, whenever you go to the shadow of the valley of death, you fear no evil. So God is always with his children, no matter what you go through. God bless you as we follow this wonderful theme entitled Be Certain of God. See you in a few minutes. Sure that God is. He's certain that he is. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, then you've done it. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, faith says that he is. It's certain that it's going to happen. La foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Your request has to be granted. Oh, I hope you don't miss that. Votre demande doit être exaucée. Oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. If you're sure of God, God's sure of his word. He's only waiting to test you. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Il l'a fait bien des fois. Revoyons une ou deux de ces occasions. Let's think of the Hebrew children. Pensons aux enfants hébreux. They wasn't to bow to an idol. Ils ne devaient pas se prosterner devant une idole. God had confidence in them. Dieu avait confiance en eux. And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, our God is able to deliver us from this furnace. Et lorsqu'ils apprirent qu'ils iraient à la fournaise ardente, ils dirent, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. But if he doesn't do it, we're not bowing to any of your idols. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons devant aucune de vos idoles. See, they were sure and certain of God. Voyez-vous, ils étaient sûrs et certains de Dieu. They know that he was Jehovah. They know that he answered prayer. Ils savaient qu'il est Jéhovah. Ils savaient qu'il exauce les prières. But whether he did in their case or not, it would have to be for the good. Mais qu'il le fasse ou non dans leur cas, de toute manière, ça serait pour leur bien. So they just
made their statement, confessed their sins, and walked into death. Ils ont donc simplement fait leur déclaration, confessé leurs péchés, et se sont avancés vers la mort. And they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He'd raise them up again in the resurrection. Lorsqu'ils se rendaient à la fournaise ardente, sachant que si Dieu les laissait brûler, ils étaient certains qu'il les ressusciterait à la résurrection. They were certain of God because they know that God would work everything for their good. Ils étaient certains de Dieu parce qu'ils savaient que Dieu ferait concourir toutes choses à leur bien. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good. Et lorsque nous sommes certains de Dieu, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. So they made one statement. They were certain. Ils firent donc une seule déclaration. Ils étaient certains. And they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, sat looking at them. Et ils s'avancèrent tout droit vers la fournaise ardente, et Dieu les laissa y entrer, se tenant là à les observer. You want to see their reaction. Ils voulaient voir leur réaction. When the king said, "Did you bow?" When the trumpet sounded. Lorsque le roi dit, vous êtes-vous prosternés au son de la trompette? They said, no, we did not bow. Ils dirent, non, nous ne nous sommes pas prosternés. There's your faith. Holding tight. Voilà votre foi, tenons ferme. Well, then, if you did not bow, you know my decree. Mais si vous ne vous êtes pas prosternés, savez-vous ce que j'ai décrété? Yes, we know your decree. Oui, nous savons ce que tu as décrété. My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Je décrète que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'a jamais été, et je vous y jetterai. Do you now want to bow? Acceptez-vous de vous prosterner à présent? No, we will not bow. Non. Nous ne nous prosternerons pas. There's their faith. Regardez cette foi. God says, well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has. Dieu dit, eh bien, je vais voir ce qu'ils vont faire. Je vais voir comment réagira leur foi. So he said, bind their hands and bind their feet and start them to the furnace. Alors le roi dit, liez-leur les mains et les pieds et conduisez-les à la fournaise. And they walked up that furnace with the fire in their faces. God's still standing looking at it. Ils approchèrent donc de la fournaise, le feu éclairant leur visage, et Dieu se tenait toujours là à regarder. But they were certain that he was God. Mais ils étaient certains qu'il était Dieu. They had made their confession. Ils avaient confessé leur faute. They had made everything right that they knew of. Ils avaient rectifié tout ce qui, à leur connaissance, devait être rectifié. They were certain that he was God. Ils étaient certains qu'il était Dieu. So they walked right up that fiery furnace. Ils s'avancèrent donc tout droit dans la fournaise ardente. Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on a chariot of wind. Et au tout dernier moment, voilà qu'il descend des cieux, porté par un char de vent. And the breezes off of him while he consoled them and talked to them. Et les éventes pour les débarrasser des cendres, pendant qu'il les console et leur parle. God lets your faith come to the spot where it'll react. Dieu laisse votre foi parvenir au point où elle devra réagir. There was Job of the Old Testament when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. Il y a eu Job de l'Ancien Testament que Satan, notre accusateur, a accusé d'être un pécheur secret. But Job knew that he had not. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there. Il savait qu'il avait confessé tout ce qu'il avait fait et qu'il avait offert son holocauste. That was God's requirement. C'était là l'exigence de Dieu. That's all God required was that burnt offering and a confession. C'était tout ce que Dieu exigeait, un holocauste et une confession. And Job done those things. Et cela, Job l'avait fait. And Satan said, I'll take his camels, or he's a rich man. I'll take his sheep. Et Satan dit, je prendrai ses chameaux, car il est riche. Je prendrai ses brebis. And finally, he'd taken his children, the closest to his heart. Et en dernier lieu, il prit ce qui était le plus près de son cœur, du cœur de Job, ses enfants. Still, Job stood pat. For he knew that God was
certain he was God. Or he'd talk to him and he'd admit his requirements. Job demeura néanmoins inflexible, car il savait que Dieu, il était certain qu'il était Dieu, car il lui avait parlé et l'avait satisfait à ses exigences. Il passa tout au peigne fin et conclut, « J'ai offert tous les holocaustes voulus. » Je me suis dit, peut-être que lors d'un festin donné par mes fils, auquel mes filles auraient assisté, peut-être ont-ils péché en secret, dans leur cœur. Je vais donc offrir un holocauste pour eux et confesser leur tort. Oh, God. When a man keeps what God said to do, he's certain he's God. He has to answer. Oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. Faith calls him on the scene every time. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. When you've done what you know is right, when you've met his requirements. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait à ses exigences, when you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God. Quand vous avez confessé, rectifié et fait des restitutions, et que vous avez déposé cela devant Dieu, I don't care how solid he is. Amen. He's still God waiting to put that faith there. Peu importe combien il est silencieux, il n'en est pas moins Dieu. Attendons que cette foi entre en action. You've done your works, now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it. Si on vous a oint et qu'on a prié pour vous, Dieu attend de voir ce que vous allez croire à ce sujet. Et si vous n'allez pas ensuite revenir en trombe le dimanche suivant, et puis le lendemain vous précipiter au devant du prochain guérisseur de passage en ville, il attend de voir la réaction de votre foi. De voir si vous n'allez pas revenir le lendemain disant, je me sens si malade, je ne pense pas avoir été guéri. You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet. Primo, vous n'êtes même pas digne de la ligne de prière. Vous n'êtes pas encore prêt. You don't believe that he is God. I don't. Vous ne croyez pas qu'il est Dieu. You might say, Brother Branham, I disagree with you. Your own action proves what you are. Peut-être direz-vous, Frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre conduite même démontre ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si un homme se dit chrétien et que néanmoins il boive, fume, s'adonne aux jeux d'argent et fasse des plaisanteries grossières, et disent qu'une partie de la Bible est juste et qu'une autre ne l'est pas, il aura beau prêcher l'Évangile, s'il rejette une partie de la Bible, il n'en est pas moins un pécheur. Il n'est pas encore en règle. Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu, et que vous remettez votre vie entre ses mains, disant, « Seigneur, je suis l'argile, tu es le potier. » Alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle ne quittera pas sa place. Même si la situation semble se désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais, parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Oh, I love that.
Oh, combien j'aime cela. Got to stay with it. Il doit y rester fidèle. Job made his offerings. He'd done everything. Job avait présenté ses offrandes. Il avait tout fait. He knew that he was right. Il savait qu'il était en règle. And here come the church members by some of the churches of other denominations. Et voici que se présentent les membres d'église, d'église d'autres dénominations. The Job, you might as well confess that you're a sinner, or God wouldn't let you be punished like this. Unless you was a sinner. Lui disant, Job, tu ferais aussi bien d'admettre que tu es un pécheur, car Dieu ne permettrait pas que tu sois puni de la sorte si tu n'étais pas un pécheur. But Job said, I've made my confession. I've put the burnt offering out before God and I'm not a sinner. Mais Job dit, j'ai fait mes confessions, j'ai présenté l'holocauste à Dieu et je ne suis pas un pécheur. He knew where he was standing. Il connaissait sa position. Then everything went on, just on and on and on, just as hard as it could go. Et puis les événements suivirent leur cours funeste. Trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering. Essayant de terrasser Job et d'amener Job à renier Dieu et à renier cet holocauste. The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness. Your doubt of God. Dès l'instant où vous intervenez après une confession, cela montre votre faiblesse. Cela montre que vous doutez de Dieu. You ask God for anything, you walk around doubting, then you are a doubter and not a believer. Si vous demandez quoi que ce soit à Dieu et que vous passez votre temps à en douter, alors vous êtes un douteur, pas un croyant. So don't worry, he stood. Firm on that foundation. Job savait où il en était et il s'accrocha fermement à ce fondement-là. No wonder Pruitt said, in his dying hour, on Christ's solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. Pas étonnant que Pruitt, à l'heure de sa mort, ait dit, sur Christ le roc solide je me tiens, tout autre terrain n'est que sable mouvant. On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out. Sur ce roc solide de la confession de Job, même son épouse bien-aimée l'abandonna. When his health was gone, and the boils was all over him. Lorsqu'il avait perdu la santé, qu'il était couvert d'ulcères. And he scraped himself and cursed the day that he was born. Et qu'il se grattait avec un tesson, maudissant le jour de sa naissance. That may the sun not even shine, may the moon stay down at night. Et disant, puisse même le soleil ne pas briller et la lune ne pas paraître la nuit. His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die? Sa femme dit, Job, tu es tellement misérable. Tu ferais aussi bien de maudire Dieu et mourir. He said, thou speakest like the foolish women. Il dit, tu parles comme les femmes insensées. He was certain there was a God and he'd met the requirements. Il était certain qu'il y avait un Dieu et qu'il avait satisfait aux exigences. Oh, I feel religious. Oh, je me sens religieux. He knew that he had met God's requirements and that settles it. Il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Dieu et cela tranchait la question. God was testing his faith. Dieu éprouvait sa foi. He'll test yours. He'll test mine. Il éprouvera la vôtre. Il éprouvera la mienne. But when we met his requirements, mais lorsque nous avons satisfait à ses exigences, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ. Hallelujah. For the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est sa promesse. Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint all the prayer. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il loigne d'huile les prie. Prayer of faith shall save the sick and God shall raise them up. That settles it. La prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Voilà qui règle la question. Confess your faults one to another and pray one for another. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. You met God's requirement. Vous avez satisfait aux exigences de Dieu. These signs shall follow them that believe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà qui règle la question. Soyez certains de Dieu. Soyez sûr que dans votre cœur, vous croyez bien qu'il s'agit là de la parole de Dieu. Job l'était. Sa femme dit, « Pourquoi ne pas le maudire et mourir ? Ton état empire continuellement. » Combien Satan aime vous lancer ces mots-là. Mais voyons, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été oint d'huile. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans l'erreur pour commencer. Cela n'a rien à voir avec le prédicateur. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que le prédicateur est, c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire de Dieu et de votre foi pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Donc, soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu, que c'est la parole de Dieu et Dieu est dans sa parole. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était certain que Dieu était là. Et lorsqu'il eut laissé échapper ses mots, le tonnerre se mit à gronder et les éclairs à briller. Dieu entra en scène. Cela déclenche toujours son entrée en scène. Il demeure longtemps silencieux. C'est ce qu'il fait, les yeux fixés sur cette bande d'Américains voués à l'enfer, ces hypocrites membres d'Église. Je ne suis pas en colère, mais le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Je ne suis pas en colère contre la nation, ni contre les gens. Mais je suis en colère contre le diable qui a suscité ces choses dans le but d'aveugler les gens. These blind pastors and preachers. Ces pasteurs et prédicateurs aveugles les laissent s'en tirer avec une espèce de petite théologie faite de main d'homme. Vous devez naître de nouveau et Dieu garde sa parole. Voyez comme il est en train de les... Vous feriez mieux d'être sûr que Dieu s'y trouve. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Cette pauvre petite femme, elle savait qu'il était Dieu. Tandis que le contenu de ce pot continuait de descendre, 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 descendre. La situation continuait d'empirer. Mais Dieu permettait qu'il en soit ainsi. Combien il aime faire cela. Il aime mettre votre foi à l'épreuve pour voir comment vous l'exploiterez. Il permettra qu'on vous oigne et qu'on prie pour vous et qu'ensuite votre état empire. Come on, Satan, put him to the test. I know he believes me. Disant, vas-y Satan, mets-le à l'épreuve. Je sais qu'il me croit.
Que Dieu soit béni à jamais. Oh là là! Mets-le à l'épreuve maintenant. Je sais qu'il m'a cru sur parole. Pourrait-il en dire autant de vous? Il l'a dit au sujet de Job. Fais-lui tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie, car je sais qu'il m'aime. Il a présenté l'Holocauste. Il a rempli les conditions exigées. Il a fait ce que je lui ai dit, et il le croit. Maintenant, fais-lui en voir de toutes les couleurs si tu veux. Il lui a tout enlevé. Dieu, quand il le rétablit, lui donna le double de tout. Assurément qu'il le fera. Il met notre foi à l'épreuve pour voir si nous croyons vraiment qu'il est Dieu. La petite femme, no doubt, said, I prayed. I know I'm an unworthy Gentile. Sans doute cette petite femme m'a-t-elle dit, j'ai prié. Je sais que je suis une indigne femme des nations. Remember, Jesus spoke of her in the Bible. Souvenez-vous, Jésus a parlé d'elle dans la Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But he has only sent to one and she was a Gentile. Il a dit, n'y avait-il pas plusieurs veuves du temps d'Élie? Et cependant, il fut envoyé vers une seule. Et elle était une païenne. Oh, he said, I prayed. Oh, dit-il, j'ai prié. Maybe when she seen that last little cake, death had done entered the gate and come into the door. Et peut-être que lorsqu'elle a vu ce dernier petit gâteau, la mort avait déjà passé le portail et se présentait à la porte. One more bite of peace, and she and her son died. Une dernière bouchée chacun. Et puis elle et son fils mouraient. I can see her all night praying. Je peux me l'imaginer priant toute la nuit. Our hot winds are blowing and the earth parched and the people crying and screaming in the streets. Tandis que les vents brûlants soufflaient, desséchant la terre et que les gens pleuraient et poussaient des cris dans les rues. She walked around through the house. She looked at her little boy. Elle se promena dans la maison. Elle regarda son petit garçon. Looked at his little pajamas. They were all out and his feet sticking out. Elle regarda son petit pyjama tout troué et ses petits pieds qui en sortaient. Elle regarda ses propres mains toutes ridées. Elle faisait les 100 pas tout en se disant, « Je sais qu'il est Dieu. » J'ai tout confessé. Wow, was so wonderful and awesome. These words of encouragement to tell us that no matter the situation we go through, God is always there to help us. We can't do that on our own. That's why He knew very well. That's why His word says, He's the truth, the way, and the light. The truth to your success is Jesus Christ. The way to your marriage, the way to have salvation, the way to your blessings, there is no other way than to pass through the Lord Jesus Christ. That's why He said in His word, whatever you ask in my name, believe that is given to you. And that's why we now stretch our hands to all of you listening to this tape, who have listened to the tape, to encourage many of you that no situation is permanent in this world. All that God needs is your heart, is your soul, is your mind, is all of what you are. It's not a matter of you trying to pretend. It's a matter of you coming to Christ fully, accepting Him as your personal Lord and Savior. That's what the Holy Spirit in your life will put a stamp in such a way that no matter what the situation you go through. For example, look at Job. Job went through a lot, but he was so certain of God that he could confess that even if I have to die, I know one of these days I'm going to see the Lord Jesus. And actually, his faith produced fruit. So dear viewers, there's nothing in this world. Don't anchor your faith, don't anchor yourself to the things of this world, because let me tell you, it's just a shadow. It will disappear one of these days. And that's why we hope having you again on our next broadcast, still following this tape, be certain of God. Actually, be certain of God. In your education, in your marriage, in your social, in your children, in everything in life, be certain of God. So God bless you. We bless our program man, bless Numa, and we bless all of you. We thank God for your patience, and we hope having you in our next podcast. Shalom, till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras,
vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.